Enfin, pour conclure, la pâte de cacao est utilisée dans la fabrication du chocolat et permet de faire toutes sortes de desserts, des gâteaux, de la pâte à tartiner, du chocolat au lait. Et puisque j'en raffole aussi, je vous propose de vous réunir par petits groupes pour faire un dessert au chocolat. Ce sera votre devoir pour jeudi. Ouais ! Allez, je vous laisse former les équipes. On devrait trouver un nom pour notre équipe. Les chouchous choco. Et si on s'appelait simplement les cacao choc? Les cacao toc, oui. Mais pourquoi tu te moques toujours de nous? Tu es jalouse ou quoi? Moi? Jalouse de vous? Non mais pour qui vous vous prenez? Pour qui nous nous prenons? Pour celles qui vont gagner. Les pauvres petites. Si mignonne, si joyeuse, et pourtant si nulle. Toi, tu vas bientôt prouver que tu l'es en perdant lamentablement le concours. Ah oui? Alors écoute-moi bien. Je jure de faire perdre les cacao choc. Qui veut faire partie de mon équipe des cacao chic? Même pas. On pourrait peut-être prendre un garçon dans notre équipe. Sébastien, par exemple. Très bonne idée, Julie. Tu en penses quoi, Claire? Le rouge de tes joues, là, ça veut dire oui? Oh non, Martine, arrête. Sébastien? Ouh. Ça dirait de faire équipe avec les cacao chocs? D'accord. Bien, je vois que les groupes sont faits. Mais vous êtes 6 dans celui-ci et seulement 4 dans celui-là. Émilie, va dans ce groupe, s'il te plaît. Mais, madame, pourquoi moi? Et pourquoi pas? Allez, Émilie, dépêche-toi et ne discute pas. Si on avait une chance de gagner avec Émilie dans notre équipe, on vient de la perdre. De la farine. Farine, ok. Des œufs. Des œufs. Voyons. Et du chocolat. Du calme, Patapouf. C'est sûrement Sébastien. T'es très jolie, dis donc. Tu t'es fait toute belle juste pour cuisiner. Et alors? On peut très bien être pâtissière et rester élégante. Ça suffit, Patapouf. Eh ben, ne faites pas cette tête-là. Regardez plutôt ce que je rapporte de la bibliothèque. Toi, la bibliothèque? Oh, la cuisine des grandes réceptions. On pensait à des recettes moins compliquées. J'aurais dû m'en douter. Pour vous, dès qu'on dépasse le cake façon mamie, c'est la grande aventure. Excusez pour le retard. J'ai dû pousser mon vélo. Le pneu arrière est crevé. Ce n'est pas grave. On n'a pas encore commencé. Bon, reprenons. Nous avons des œufs, de la crème, du chocolat, du lait, du beurre et de la farine. On pourrait peut-être faire des choux avec une sauce au chocolat. J'en ai déjà fait avec ma mère, c'est facile. Après, on peut les disposer de différentes manières pour faire un genre de pièce montée. Comme ça, madame la fille du maire sera satisfaite. On peut même la faire en forme de cœur. En forme de cœur. N'importe quoi. Et c'est comme ça que vous comptez gagner? Je confirme, vous êtes nuls. T'es vraiment qu'une petite peste. En temps normal, t'aurais passé un sale quart d'heure. Mais comme nous sommes obligés de faire équipe, je vais faire comme si j'avais rien entendu. C'est qui la petite peste? Hé, mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Eh oh, les filles, c'est une cuisine ici, pas un champ de bataille. Alors on va se calmer et faire comme a dit Julie, une pièce montée avec des petits choux au chocolat, d'accord? Oh, c'est lui le petit chou. C'est une bonne idée la pièce montée, mais il ne nous reste qu'un œuf et on n'a plus de lait pour faire la crème. Je peux aller faire les courses si vous voulez. Après tout, c'est de ma faute. Tu m'accompagnes, Claire? Moi? Pourquoi moi? C'est bien d'avoir un garçon votre...
notre équipe, hein? Il est sympa, Sébastien, non? Oh oui, très sympa. Julie a de la chance. Comment ça? Quoi? Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Il nous impose la recette choisie par Julie. Elle lui tombe dans les bras alors que je l'ai même pas touchée. Ça saute aux yeux quand même. En tout cas, ils forment un très joli couple. Viens, ils nous attendent. S'il manque de la farine pour les choux, on pourra toujours secouer mon pull et mon pantalon. Ça t'apprendra, maladroit. Ah, c'est vrai qu'il te manque plus qu'un peu d'œuf et on peut te mettre dans le four. Ah, on attendait plus que vous pour continuer. Ah, enfin du renfort. Je me faisais maltraiter par Julie. Maltraiter, tout de suite les grands mots. Je voulais seulement te mettre dans le four. Cuisine, toi. C'est pas de ma faute si je suis plus intellectuelle que manuelle. Franchement, Sébastien, je sais pas comment tu fais pour t'en mettre partout. Tu fais quoi, là, du plâtre? Oui, bah moi aussi, je suis plus intellectuelle que Manuel. Et j'ai bien compris ce qui se passe ici. Débrouillez-vous sans moi. Elle est bizarre, votre copine, non? C'est pas dans ses habitudes de s'énerver comme ça. Je vais aller la chercher. Julie, tu m'accompagnes? Bon, pendant que ça cuit, je vais réparer mon vélo. À cause de la sauce. Mais ce n'est pas grave que tu l'aies ratée. On ne va quand même pas se fâcher pour ça. Non, mais c'est pas ça. T'aurais pu me le dire quand même. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne fais pas l'innocente. Il y a un truc entre Sébastien et toi. Heureusement qu'Émilie m'a ouvert les yeux. Ah, fallait bien se douter qu'il y avait du Émilie là-dessous. Mais je te jure que Sébastien et moi, on est juste copains. C'est vrai? Mais pourquoi Émilie m'a raconté tout ça alors? Allez, venez, on va tirer ça au clair. Vous revoilà. Alors, ça va mieux, Claire? Oui, oui. Il s'agissait d'un simple malentendu. Alors, vous avez fini? Émilie charge de tout, je crois. Je suis désolée. Comment on éteint ce truc? À moi! Au secours! Chou carbonisé. Quel dommage. Mais on dirait que ça te fait plaisir. Bien sûr que ça me fait plaisir, puisque les cacao chocs vont perdre. Oh, mais enfin, c'est ridicule. Tu fais partie des cacao chocs. Si on perd, tu perds aussi. Peu importe, j'avais juré de vous faire perdre. Vous vous souvenez? Et c'est chose faite. Bon, on réglera ça plus tard. Parce que maintenant, on a un nouveau problème à régler. Si ma maman arrive et qu'elle voit tout ce bazar, c'est la punition assurée. Alors on range et on s'y met tous. Tu n'imagines quand même pas que je vais balayer. Patapouf. J'ai pas dit mon dernier mot. Claire, je crois bien avoir trouvé une utilité à ton plâtre. Si on faisait des bonbons au chocolat. Il y a des petits morceaux de chocolat croquant dedans. C'est délicieux. Mais en même temps, ça fond sur la langue. Bon, vous n'avez plus besoin de moi, alors je vous laisse. Patapouf.
voilà, terminé. Il ne reste plus que la vaisselle à faire. Bravo, c'est joliment arrangé. On n'a plus qu'à trouver un nom à notre recette. Vu les circonstances, on pourrait appeler ça des embrouilles au chocolat. Sans conteste, la recette la plus originale est celle de l'équipe des Cacao Choc. Oui! Qui c'est l'équipe de Choc? C'est les Cacao Choc! Allez, Émilie! Au lieu de faire la tête parce que tu as perdu, sois plutôt contente d'avoir gagné. La seule chose que j'ai gagnée, c'est que ce cauchemar est terminé. Pour vous récompenser de l'originalité de votre travail et de l'esprit d'équipe dont vous avez fait preuve, j'ai pris la décision de créer un stand Cacao Choc pour la prochaine kermesse de l'école. Et de vous en confier l'organisation, bien sûr. Ce n'est pas vrai! On ne va pas remettre ça! Ouf... Il va y avoir un problème. Ouais, un gros problème même. Si vous parlez d'Émilie, je pense que maintenant elle se tiendra tranquille, non? Ben non, ce n'est pas ça. La recette... Tu t'en souviens, toi?